Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors, comme vous avez pu sans doute le savoir, ce week-end, on a eu des frappes de partie depuis des bateaux, enfin des bâtiments militaires, pardon, américains, français et du Royaume-Uni envers la Syrie. Potentiellement le risque le plus important pour cette semaine, c'est une escalade des tensions en Syrie du côté des États-Unis. Donc on a eu une amélioration des relations, enfin en tout cas des perspectives commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais justement c'est surtout sur le plan donc syrien et avec la Russie qui est à surveiller cette semaine. Donc potentiellement davantage de sanctions envers la Russie, c'est ce qu'on va voir dans un petit instant, et surtout surveiller ce qui va se passer au niveau des décisions envers la Syrie. On a les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour justement parler de la Syrie. Et donc à 17h, il y aura une conférence de presse, 17h heure française, avec potentiellement, eh bien, des décisions. Alors probablement pas militaires, mais bon, en tout cas, il y aura des décisions, donc ça sera à suivre. Alors tout de suite, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte-risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte-titres présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Eliane, que je salue le moment, Phil, Ramsey, Gilles qui me confirme que l'image et le son sont ok. Bien écoutez, merci à vous Gilles pour cette confirmation. Bonjour à vous mon cher François, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé vous tous un bon week-end. Raymond, bien le bonjour à vous. Alors, il n'y a pas de gros mouvements sur les marchés malgré les frappes en Syrie. Non, pas de gros mouvements. Le marché a eu le temps, voilà, de digérer l'annonce. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire. On a un rebond du yen depuis, comment dire, depuis quelques heures. Il avait ouvert en baisse. On avait une ouverture des marchés asiatiques qu'on va voir dans un petit instant en hausse cette nuit, depuis l'ouverture. Eh bien, cet appétit pour risque a pleinement été dégradé suite à un rapport qui montre que le Premier ministre du Japon a de moins en moins de soutien. Voilà. Enfin, un sondage, pardon. Donc, vous savez, je vous rappelle, on a eu il y a un mois de cela, le ministre du Japon a rencontré des problèmes, ou en tout cas était dans la tourmente d'un scandale politique. Donc voilà, suite à ce scandale, a priori, ce sondage montre que le Premier ministre, qui incarne une politique de relance, donc une politique monétaire extrêmement généreuse également, eh bien, a de moins en moins de soutien. Donc c'est pas forcément une bonne chose pour la politique monétaire ultra accommodante de la Banque du Japon. Pour ça qu'on a un rebond du yen en particulier. Alors, on va faire un bilan sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec les graphiques hebdomadaires qui sont particulièrement intéressants cette semaine. Avec un super soleil, nous dit Catherine. Alors oui, un super soleil, honnêtement. Voilà, c'est sans doute j'espère en tout cas le retour du soleil après ce long hiver. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Petit bref, une actualité, même si voilà, le lundi c'est toujours assez creux, étant donné que le week-end, voilà, il se passe pas grand-chose d'un point de vue, eh bien, déjà macroéconomique et voilà, politique, c'est un petit peu également creux. Bon, là, on a eu les frappes en Syrie qui ont permis un petit peu d'illustrer, mais bon. Sinon, outre ces frappes en Syrie, on a les ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Japon qui sont convenus ce week-end de collaborer pour pousser la Corée du Nord à abandonner son programme nucléaire. Donc ça, c'est une chose particulièrement importante, étant donné que c'est vrai que la Chine et le Japon, c'est déjà les deux plus grandes économies en Asie, et ce n'est pas forcément les meilleurs amis. Voilà, le Japon, c'est un allié historique pardon, des États-Unis, alors que la Chine n'est pas forcément un allié des États-Unis, hein, d'un point de vue historique. Donc, bah, c'est pas des ennemis, la Chine et le Japon, mais c'est pas non plus des alliés. Voilà, il y a toujours souvent des tensions entre les deux pays. Alors rien non plus de très méchant, rien de militaire, mais voilà, c'est pas des pays qui sont alliés, comme vous le savez. Donc cette
collaboration entre les deux plus grands pays, deux plus grandes puissances asiatiques, eh bien, c'est un signe important, un signe puissant pour le marché qui, eh bien, devrait croire de plus en plus à l'abandon du programme nucléaire de la Corée du Nord. Sinon, on a eu un haut diplomate américain des Nations Unies qui a déclaré que de nouvelles sanctions seront imposées à la Russie en raison de son aide à la Syrie. Donc, c'est affaire à suivre de ce côté-là. Mais évidemment, s'il y a des sanctions en supplémentaire envers la Syrie, donc déjà le rouble va déjà se dégrader. On aura la bourse russe qui va également être impactée, mais également les cours de pétrole, parce que qui dit sanctions envers la Syrie, envers pardon la Russie, dit probablement donc taxes sur les exportations russes, bon qui seront bien évidemment qui sont également ciblés, mais le marché va probablement anticiper des taxes sur l'énergie, dont le pétrole, et vous savez que la Russie, c'est le premier producteur mondial. Donc voilà, on a eu également la hausse de la semaine dernière, on a eu un tas de catalyseurs qui ont justifié, qui ont poussé les cours de pétrole la semaine dernière, d'ailleurs qui a fait réaliser, il me semble, la meilleure semaine de pétrole depuis juin-juillet de l'année dernière. Voilà. À confirmer. On a eu une excellente, enfin on a eu un rebond important des cours la semaine dernière, et ces sanctions envers la Syrie qui pourraient tomber en plus cette semaine, eh bien seraient également un catalyseur. Alors je ne dis pas que ça va être le seul, et je ne dis pas que ça va être le catalyseur qui va faire un plus 10% sur les cours, mais en tout cas ça va être un facteur dans le fond de soutien au pétrole et non pas qui fera pression. Sinon, ce matin, on a le dollar qui est légèrement en baisse, étant donné qu'on a le rapport hebdomadaire de la CFTC qui montre que, eh bien, les hedge funds sont les plus shorts, ont les positions les plus shorts, les plus importantes depuis plus de 5 ans. Voilà, donc c'est une information particulièrement importante, ce qui montre vraiment le pessimisme des hedge funds envers le billet vert. Et au niveau des résultats américains, hein, qui commencent tout juste, hein, depuis la semaine dernière, une dizaine de jours environ. Donc sur les 30 sociétés qui ont reporté leurs résultats du premier trimestre, on en a 28 qui sont sortis au-dessus des attentes et 2 en dessous. Alors pourquoi c'est important ces informations-là? Parce qu'en fait, plus on arrive à terme dans un cycle économique, et plus les attentes sont ambitieuses. Et donc plus les attentes sont ambitieuses, plus il est difficile que le marché soit surpris positivement. Donc c'est très important de suivre cette annonce, parce que finalement, plus on va avoir des résultats en dessous des attentes, et plus on va probablement arriver en bas d'un en, pardon, à la fin d'un cycle boursier. Et donc probablement à une consolidation, voire un repli, une baisse des marchés à actions. À l'inverse, dès qu'on a, par exemple, dès qu'on est dans un krach boursier, on est tous d'accord que les attentes du marché en termes de résultats sont plutôt assez bas. Voilà, ils sont pas très ambitieux. Donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour les entreprises de surprendre positivement. Voilà, donc c'est important de suivre la tendance de ces publications de résultats. Et plus on va avoir des entreprises, enfin des résultats qui vont être décevants, et plus on va probablement arriver à la fin d'un cycle d'expansion. Au niveau des résumés de la séance asiatique, donc on a l'yen qui progresse légèrement. Alors je le répète, le yen était en baisse à l'ouverture des marchés asiatiques, et il est en hausse depuis seulement quelques heures, suite au rapport qui montre que le Premier ministre japonais a moins de soutien qu'auparavant. Sinon, le gold en légère baisse, malgré un dollar en baisse également, donc ça montre bien quand même qu'il y a légèrement l'appétit pour le risque ce matin. Le Nikkei qui progresse, alors que le yen progresse, à noter, hein, donc voilà, encore une fois, ça montre quand même qu'il y a globalement l'appétit pour le risque, et le Hang Seng qui est en recul. D'un point de vue du calendrier économique, donc on aura les ventes au détail américaines qui sera vraiment l'annonce de la journée, attendue à 0,4%. Alors pourquoi c'est important ces ventes au détail? Parce que qui dit vente au détail en hausse, ça veut dire consommation en hausse. Vente au détail, c'est bien évidemment les ventes envers les particuliers, consacrées au détail, pas pour les entreprises, hein. Donc qui dit vente au détail en hausse, dit hausse de la consommation, et qui dit hausse de la consommation, dit accélération de l'inflation. Et même le core, si je puis dire entre guillemets, hein, hors automobile et essence, vous voyez 0,4%, donc lui aussi est attendu en hausse.
Donc on a toutes les ventes au détail qui sont tendues en hausse. Voilà, donc on va passer au marché. Peut-on voir la AUDUSD et USD et le pétrole en intraday? Bien évidemment. Alors on va commencer par les clôtures hebdomadaires. Je propose qu'on commence par cela. D'ailleurs, je pense que c'est la semaine de la UDNZD. Moi, la UDNZD, on va le voir, mais pas assez long. Ça me semble assez intéressant. Quelques secondes sur ce graphique. GBP, Yen, haussier, CHF, NZD, baissier ce matin. Voilà, donc à suivre. Comme vous pouvez le voir, lundi matin, il n'y a jamais vraiment de tendance. Vous voyez que c'est vraiment très très faible comme volatilité. Donc voilà, cette information du lundi matin ne donne pas vraiment d'opinion. Mais donc, regardons un petit peu les index. Donc là où il y a les droites verticales, c'est simplement la BOJ, hein, donc voilà, rien de très important. Mais donc, troisième semaine consécutive de baisse pour le yen. On est sur un graphique hebdomadaire. Donc voilà, tendance baissière sur le yen. Ça donne une opinion baissière malgré le fait qu'on soit sur un niveau de support. Tant qu'on n'a pas le rebond, la tendance est baissière. Le NZD, regardez. Alors que le NZD avait clôturé en hausse au-dessus de son range, il a été réintégré vendredi. Fausse cassure, j'ai envie de dire. Maintenant, le NZD, je pense que ça reste une devise quand même. Comment dire? Forte ces dernières semaines, ça fait quand même 3 semaines consécutives de hausse, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, à court terme, le fait que le marché a réintégré ce range donne une opinion baissier pour cette semaine. Donc voilà, avis baissier pour cette semaine sur le dollar néo-zélandais. La vidéo au contraire, regardez, après 2 semaines assez neutres, on a l'impulsion haussière. C'est presque un avalement haussier. Ça aurait pu être le cas si on avait des mèches beaucoup plus petites. Mais en tout cas, on a clairement une direction de la part du marché après deux doji, si je peux dire. Alors, c'est pas vraiment un doji, mais bon, 2 semaines en tout cas d'indécision. Donc là, on a un signal haussier pour le dollar australien. L'euro, vous voyez qu'on a des mèches de plus en plus importantes. Et puis après avoir eu 2 semaines de consécutives neutres, on commence à avoir une direction baissière avec une divergence à la baisse. Donc voilà, l'euro à surveiller, mais on pourrait avoir un signal baissier déjà si l'euro clôture en dessous de cette moyenne mobile à 20 semaines. Ça serait un fort signal baissier, étant donné qu'elle n'a pas été dépassée depuis, vous voyez, depuis le bull market qui a été entrepris au mois d'avril 2017. GBP assez plus haut. GBP assez plus haut, maintenant il ne montre pas beaucoup de signaux de faiblesse pour le moment. Hein. Vous voyez que la semaine dernière a été particulièrement positive pour la livre sterling. Maintenant voilà, compliqué de passer long lorsqu'on est sous des sommets. Maintenant la tendance est haussière. Donc voilà, faut être prudent, je pense. Je pense que c'est possible de payer la livre. Bon, honnêtement, entre payer la livre et la UD, personnellement, je préfère payer la UD étant donné qu'il me semble beaucoup plus intéressant. La marge de progression me semble beaucoup plus intéressante à court terme. Mais si on devait avoir une alternative ou simplement pour se diversifier, la livre, malgré le fait qu'elle soit sous ses sommets, est dans une tendance haussière. Le CHF, on se remet en weekly. Test des supports majeurs, regardez en weekly. Là, on est vraiment sur des supports très très importants. Donc, voilà, on a eu quand même, on va dire, 4 semaines de baisse, avec une semaine particulièrement négative la semaine dernière. Donc, le momentum extrêmement négatif laisse à penser qu'on pourrait avoir une poursuite de la tendance baissière, mais voilà. On a quand même un très très fort niveau de support hein, qui a été testé à des multiples reprises. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, de vraiment, si on calcule rapidement, une douzaine de fois ce niveau de support, donc il n'est pas négligé. Donc voilà, le franc suisse, je pense qu'on peut le vendre face à des devises qui sont fortes, parce que je pense pas que le franc suisse va rebondir, mais même s'il consolide et qu'on a une devise qui est haussière, finalement le cours va être haussier. D'accord. Donc, par exemple, la UDCHF, ça pourrait être une bonne devise à acheter. L'USD, d'un point de vue hebdomadaire, donc on a la validation de ce signal baissier. Et en weekly, on a eu, vous voyez, on a un léger rebond, mais vous voyez qu'on a des mèches importantes, ce qui montre l'indécision du marché. Et à noter qu'en hebdomadaire,
le RSI se maintient sous 50. Hein. Vous voyez que il n'a pas dépassé 50 le RSI. Et le CAD, 1, 2, 3, quatrième semaine de hausse. On a cette moyenne mobile à 20 semaines qui fait office de résistance. On a également les 50% de Fibonacci, enfin 50% de retracement de cette tendance. Parce que 50% c'est pas un chiffre de Fibonacci. Hein. Voilà, on a tendance à le dire, parce qu'on utilise les ratios de Fibonacci, mais 50% n'est pas un ratio de Fibonacci. Voilà, maintenant on voit que le CAD semble être en train de faire un top. Donc voilà, prendre des bénéfices sur le CAD. C'est pas le moment de passer à la vente parce qu'on n'a pas les signaux baissiers, mais ce n'est pas non plus une opportunité d'achat étant donné qu'on est sous des résistances et qu'on voit quand même des signes de faiblesse. Donc si je devais résumer d'un point de vue hebdomadaire, on a l'AUD qui me semble la devise la plus intéressante à l'achat. Face, je dis bien à court terme, le NZD, le Yen, étant donné que pour le moment il ne montre pas des signes de rebond. Donc NZD me semble le plus intéressant à vendre à court terme. Mais sinon, on a également le dollar, le yen, le CHF, même s'il devrait rester neutre, ça peut être une bonne devise à vendre. Donc voilà. Et le CAD à surveiller, mais pourquoi pas une prise de bénéfice sur le CAD à court terme. Je rappelle qu'on a la Banque du Canada mercredi, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, AUDNZD, on va commencer par cette paire, regardez en hebdomadaire. Oblique, haussière avec 3 points de contact, 1, 2, 3. On fait le quatrième, semaine avec un doji, dont pendant la semaine dernière, le cours qui vient tester 7 obliques. Ce niveau de support, 1,049 et un seuil psychologique, 1,05. Donc, trois supports, on va dire, vers cette zone. Avec le test, le chandelier hebdomadaire qui est un doji, donc signe d'indécision. Donc, je pense que c'est possible, honnêtement, de rentrer à l'achat au vu de l'analyse des index. Et l'analyse de la UDNZD, je pense que c'est possible de rentrer long avec un stop sous le précédent plus bas, ce qui fait environ 90 pips de risque. Et on vient chercher au moins 1,08. Vous voyez, 237. 237, donc 240, on va dire, pour arrondir, pour 90 pips de risque. Vous voyez que ça fait à peu près un ratio risque-rendement de 3. Donc ce qui pourrait être intéressant. En plus, on a une divergence haussière, regardez. Le RSI qui marque des points de plus en plus haut. Vous voyez légèrement, hein, si je devais étendre l'extension, vous voyez que ça va quand même de plus en plus haut. Alors que le prix il marque des points de clôture de plus en plus bas. Donc voilà, on a quand même pas mal de signaux haussiers sur la UDNZD et sur les index. Donc, si on croise l'analyse de l'AUD Index et du NZD Index, personnellement, j'ai plutôt une conviction haussière. Donc, voilà. L'AUD NZD, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En plus, la clôture de vendredi, vous voyez que c'était un avalement haussier. Donc, on a vraiment, en termes de timing, je pense qu'on est là presque une journée vraiment pas parfaite, mais vraiment une très belle journée en termes de timing pour passer long. On est juste après le signal haussier, le signal haussier, pardon, d'un point de vue hebdomadaire, mais d'un point de vue également journalier avec cet avalement. Donc voilà. AUDNZD bullish. DXY. Voilà, je repasse sur un autre dollar index. Mais regardez, on a cette oblique haussière d'un point de vue prix et cette oblique haussière d'un point de vue momentum. C'est plus l'oblique haussière de momentum que je surveille, étant donné qu'elle a quand même 4 points de contact. 1, 2, 3 et on a 4, on est en train de faire le cinquième. Voir qu'on est un petit peu dans une figure de compression, le RSI qui trouve une résistance à 50, mais ce support qui fait office, enfin non, cet oblique qui fait office de support, donc on devrait avoir cette semaine le franchissement soit de la résistance, soit du support. Si c'est du support, ce sera un signal baissier. Signal baissier, direction de 88 points. Voilà, de toute façon, je suis déjà baissier sur le dollar, vous le savez, mais d'un point de vue timing. Vous savez qu'en trading, l'important c'est le timing, c'est pour ça que les signaux sont importants. Donc voilà, ce signal pourrait être un signal baissier. On fait un tour des paires majeures avec l'AUD/USD. L'AUD/USD qui a des chances de rebondir cette semaine, hein, étant donné que on l'a vu, l'AUD Index a une analyse technique particulièrement haussière. Donc l'AUD/USD a de fortes chances, je pense, de revenir chercher les 0,78 cette semaine. L'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, on a deux devises particulièrement baissières à court terme. Encore une fois, regardez l'euro-index en journalier.
voyez que c'est des sommets de plus en plus bas. Le dollar, des sommets de plus en plus bas également. Donc, à l'image un petit peu du cours hein, qui est en range depuis 3 mois, l'euro-dollar, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part payer les 1,22 et vendre les 1,25. Tant qu'on n'a pas de sortie du range, je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. On a cette oblique qui peut être, on va dire, payée à court terme, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas payer l'euro-dollar sur cette oblique pour viser les 1,24, 17. Mais sinon, d'un point de vue swing, tant qu'on n'a pas de sortie de son range, honnêtement, il n'y a pas d'autre stratégie à envisager. En tout cas, selon moi. Voilà, donc si cette semaine on a un retour à 1,22, techniquement ce sera une opportunité pour passer long. Et si on a un retour à 1,25, ce sera une opportunité pour passer vendeur. Le GBP/USD devrait continuer à être haussier, je pense, cette semaine. Donc tester les 1,43-14, mais on le voit d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est compliqué d'en avoir un positif si on vient chercher les 1,43-14. Donc GBP/USD, il n'y a pas grand-chose à faire cette semaine. Le NZD, donc NZD/USD, le NZD c'est probablement la devise qui va sous-performer cette semaine. Donc voilà, NZD/USD retour à 0,73 à court terme. L'USD/CAD, léger rebond. Léger rebond. On voit prise de bénéfice sur dollar canadien. Encore une fois, on a eu ce signal, enfin l'objectif théorique de la ligne de coup qui n'a pas été atteint. Il n'a pas été atteint. Mais on avait vraiment signalé la semaine dernière, et même dans mes articles, que la clôture de 2007 serait le premier objectif baissier. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre des bénéfices sur ce niveau-là. Pour ceux qui sont à la vente encore sur le SD-CAD, c'est préférable de prendre au moins une partie des bénéfices sur le prix de clôture de 2017 à 1,26. L'USD/CHF, résistance à 0,96,60. Compliqué de trader l'USDCHF parce qu'on a un dollar qui est baissier, un franc suisse qui est extrêmement baissier, mais un franc suisse qui est sur un niveau de support très important d'un point de vue hebdomadaire. Donc il se pourrait que le franc suisse rebondisse à court terme. Voilà, faudra le surveiller. Faudra le surveiller, mais maintenant le franc suisse est quand même pas mal distancé sa moyenne mobile à 20 jours. Donc pour avoir un signal haussier, ça va être assez compliqué cette semaine, mais je n'exclus pas le possible rebond du franc suisse cette semaine. Voilà, donc à surveiller. En plus que le franc suisse arrive dans sa zone de survente, pour un index c'est particulièrement important, c'est pas un signal haussier, mais vraiment ça attire l'attention. Parce que les dernières fois, pardon, dernière fois où le RSI journalier est arrivé dans une zone de survente, vous voyez que on a eu un bon rebond en 2015, on en a eu un bon également en juillet 2017. Donc voilà, je ne dis pas qu'il y en aura un équivalent, mais c'est possible qu'on en ait un. Voilà, donc à surveiller de très près ce franc suisse index qui pourrait rebondir, auquel cas ça ferait pression sur l'USD CHF. L'USD yen, alors l'USD yen, pareil, on a un yen qui entreprend sa quatrième semaine de baisse, donc il y a eu trois semaines consécutives à la baisse. Il teste un niveau de support, le yen index, mais il est toujours baissier, et tant qu'on n'a pas de rebond, c'est compliqué de payer le yen. D'un autre côté, on a le dollar. Vous connaissez mon opinion sur le dollar, il est plutôt baissier. Donc on a deux devises dont j'ai des convictions baissières. Donc voilà, ouais, forcément, ça donne pas une opinion très intéressant sur l'USD Yen. Si on a un retour à 108, je pense qu'il faudra surveiller pour passer à la vente. Mais voilà, à court terme, honnêtement, j'ai pas d'opinion sur l'USD Yen. Étant donné que les deux devises sont baissières, c'est un peu comme l'USD CHF, vous voyez, je préfère patienter, avoir des signaux et ensuite vous donner ma conviction. Mais honnêtement, l'USD Yen, vous voyez, à l'image de la semaine dernière, de toute façon, la semaine dernière, on a eu, vous voyez, que des journées où ça a retracé la veille. Donc, pas des mouvements très intéressants. Et on voit quand même que le RSI a noté que le RSI teste des résistances. Enfin, vous voyez qu'il a du mal à progresser, à être vraiment bullish. Donc, voilà, ça empêche de mettre en place des stratégies acheteuses.
trop très importante, ou très intéressante, j'ai envie de dire. Viser les 110 actuellement, ça me semble compliqué. Avec un récit qui teste une résistance, ouais, qui a du mal à progresser, c'est des signaux quand même de faiblesse. Hein. Avec le prix, ouais, qui corrige la veille tout au long de la semaine dernière, bon, c'est compliqué de rentrer à l'achat ou même à la vente. Bon, donc vraiment, ce matin, moi, mon sentiment, c'est la UDNZD bullish, avec le dollar néo-zélandais qui a des chances de sous-performer cette semaine, et le dollar UD qui a des chances de surperformer au vu de l'analyse technique des devises majeures, des indices des devises majeures. Au niveau des indices, on a des ouvertures à la baisse, hein. On a eu, bon, un gap haussier, mais on peut voir que ça retrace, hein, l'intégralité. Donc, finalement, le CAC qui réintègre, qui repasse en dessous de cette moyenne mobile à 100 jours ce matin, après une ouverture au-dessus. Le support à 5003 peut se payer, malgré les tensions qui peut y avoir, les tensions géopolitiques qui peuvent avoir, pardon. Ça peut se payer, je pense, d'un point de vue technique. On a une clôture hebdomadaire pour la première fois depuis le flash crash au-dessus des 5003. Ah non, pardon. Pardon, depuis le 19 février, au-dessus des 5003. Donc, voilà. Très important, ce pivot. À noter, cette moyenne mobile à 20 semaines semble assez intéressante. Regardez, résistance la semaine du 26 février, clôture, enfin, résistance au 26 février. Et résistance le 9 avril, la semaine dernière. Donc, voilà. Moyenne mobile à 20 semaines qui est actuellement à 5320 à indiquer sur vos graphiques. Mais voilà, 5300, pour moi, ça se paye. Tant qu'on n'a pas une réintégration, tant que le cours repasse pas en dessous des 5300, ça peut se payer. Mais plus que les 5300, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette oblique haussière. Cette oblique haussière de momentum. Si on a un retour sur celle-ci, ça serait une opportunité pour passer long. Payer à l'achat ou à la vente. Alors quand je dis payer, c'est vraiment à l'achat, et quand je dis vente, hein, c'est vente. Voilà. Donc c'est une opportunité d'achat, les 5300. L'analyse des indices européens, surtout européens, doivent converger. Donc si on a le CAC qui dépasse les 5300, qui sont pivots, le DAX doit dépasser les 12005. Or, le DAX n'a pas encore dépassé les 12005. Donc, ça donne un point en moins à la fiabilité des 5300 points sur le CAC 40. Si on avait le DAX qui avait clôturé la semaine dernière au-dessus des 12500 points, ça aurait renforcé le support, pardon, des 5300. Encore une fois, c'est très important de faire une analyse croisée des indices européens. Donc le DAX n'a pas clôturé la semaine dernière au-dessus des 12005, donc les 5300, ça reste un niveau de support, mais il aurait été beaucoup plus solide si, enfin en tout cas j'aurais eu une opinion beaucoup plus importante sur ce niveau de support si on avait le DAX qui aurait dépassé les 12500, or il ne l'a pas fait. Néanmoins, on a quand même le récit qui est bullish, donc voilà, si on a un retour à cette moyenne mobile à 50 jours, voire même les 12400, 12400 qui était le top de mars 2018, ça pourrait être une opportunité pour passer loin. Et encore une fois, c'est cette oblique haussière qui m'intéresse dans le fond, d'un point de vue swing trading. Si on a un RSI qui revient à cette oblique, pour moi, ça serait une opportunité intéressante pour passer à l'achat. L'Eurostoxx, donc qui pareil, gap haussier, hein, mais qui revient, donc qui baisse ce matin. Niveau de support intéressant à 3428, qui est le top de mars. En fait, si vous avez, je ne sais pas si vous avez lu mon article, mais j'ai publié un article ce week-end, analyse technique des indices. Et en fait, pour retrouver les indices européens qui sont les plus intéressants, vraiment, avec le DAX et le FTSE, qui offrent des opportunités longues en cas de repli du momentum sur son support. Donc en clair, cette oblique de momentum est très intéressante. On ne la retrouve pas sur l'indice japonais et elle est très très faible. Elle a une pente très très faible sur les indices américains, ce qui montre un momentum beaucoup plus faible. Donc vraiment, les indices européens semblent être les indices les plus intéressants actuellement.
Et voilà, que ce soit le FTSE, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx, c'est ces obliques de momentum. Regardez, FTSE c'est pareil, oblique de momentum. Donc vraiment, cette oblique-là, c'est celle qui me semble la plus intéressante d'un point de vue swing trading. Mais outre ces obliques, ce que je dis dans mon article, c'est que les tops de mars qui ont été dépassés la semaine dernière me semblent être des niveaux de support intéressants à court terme. Donc sur le FTSE, les 7256, en clair le niveau actuel. L'Eurostoxx, les 3430 à peu près. Le DAX, les 12400. Et le CAC, les 5300 points. Vous trouvez cet article alors sur le site Daily FX tout simplement. C'est le deuxième article, alors regardez. Donc là vous avez l'article de Yoav qui est la prévision pardon de cette semaine. Donc c'est l'article, vous savez qu'on publie un article briefing toutes les semaines qui introduit la semaine suivante. Et celui juste avant, vous voyez, juste en dessous, analyse technique de Jones, DAX, FTSE et Nikkei. Voilà, et là vous avez mon analyse sur les indices. Au niveau de Wall Street, on va faire un point en début de semaine quand même. Donc la moyenne mobile à 200 jours, encore une fois, enfin 200 séances, très intéressante pour passer longue. C'est ce que j'ai dit également dans mon article. Si on a un retour à ce niveau de prix, pourquoi pas? Pourquoi pas passer long, hein. En tout cas, c'est ce qui avait été conseillé depuis maintenant plusieurs semaines et pour le moment, c'est un bon niveau de support. Donc, de toute façon, d'un point de vue historique, vous le savez, la moyenne mobile à 200 séances, je ne cesse de la répéter et même de l'utiliser dans mes webinaires quotidiens. Donc vous le savez pour ceux qui me suivent tous les jours, mais bon, la moyenne mobile à 200 séances, elle est réputée pour être fiable, peut-être la plus fiable des moyennes mobiles, parce que c'est celle qui est la plus utilisée sur les graphiques et par les institutionnels. À l'époque où il n'y avait pas toutes ces capacités de calcul de la part des ordinateurs, eh bien, fallait optimiser les indicateurs et c'était la moyenne mobile. Alors, ça n'a jamais été confirmé parce que, bien évidemment, c'est des stratégies des institutionnels et on a du mal à imaginer qu'une banque dise oui, on utilise la moyenne mobile à, vous voyez, à 200 séances. Donc, voilà, c'est compliqué, mais elle est réputée. Il y a beaucoup d'informations. Alors, ça se trouve, c'est une rumeur que tout le monde propage, hein. C'est possible, mais bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment la moyenne mobile qui est la plus communiquée dans le monde des marchés boursiers, que ce soit sur le FX, sur les indices, sur les actions, c'est la moyenne mobile à 200 séances. Donc c'est pour ça que il y a généralement beaucoup de mouvements sur cette moyenne mobile parce que ouais, y a beaucoup de stratégies qui suivent cette moyenne mobile. Dow Jones, c'est pareil, moyenne mobile à 200 jours intéressante. Et voilà, tout simplement. Opinion légèrement haussier sur les indices américains. Mais tant qu'on n'a pas les RSI qui dépassent 50, les 3 RSI, vous voyez que le futur S&P est en train de le tester ce matin. Parce que hier, vous voyez qu'on était toujours à 49, enfin hier, vendredi à 49,42. Pour le Dow Jones, c'est pareil. Alors dans le Dow Jones, il a dépassé vendredi. Mais c'est important d'avoir des indices qui convergent. On peut pas se permettre de payer un indice américain sur du long terme si on n'a qu'un seul indice qui émet un signal haussier. Donc voilà, c'est important d'attendre des signaux qui convergent dans le même sens. Donc si on a les 3 RSI qui clôturent au-dessus de 50, dans ce cas-là, on pourra avoir une opinion bullish sur les indices américains. Mais pour le moment, ça me semble encore un tout petit peu trop tôt. Probablement que ce soir, on aura la clôture au-dessus des 50 sur le RSI, sur les 3 indices. Et mardi sera donc une opportunité d'achat. Alors, petit tour sur les commodities. On va faire également un tour sur les crypto-monnaies dans un petit instant. Mais donc, l'or, à l'image de l'euro-dollar, si vous superposez l'or à l'euro dollar, ils sont les deux identiques depuis la hausse des taux du mois de décembre de la Fed. Regardez, on va le faire d'ailleurs. Alors, donc, comparer valeur euro USD
Et donc, nous allons mettre Bassan depuis la hausse des taux. Donc, décembre 2007, hausse des taux, c'était mercredi 13. Et regardez un petit peu. Euro, dollar, gold. Donc, voilà. Vous connaissez mon opinion euro, dollar. Il est neutre. C'est payer le bas du range, vendre le haut. Donc, le gold, c'est globalement pareil. Malgré le fait qu'il soit légèrement soutenu, comme on peut le voir à l'inverse de l'euro dollar, le gold est quand même proche de sa borne haute parce qu'il est soutenu par les tensions géopolitiques à court terme. Mais voilà, tant qu'on n'a pas de sortie de ce range, donc le range qui est entre 1300, entre, pardon, 1360 et 1310, on va enlever l'euro dollar. Vous voyez, haut du range 1360, le bas 1310. Donc tant qu'on n'a pas une clôture journalière en dehors de ce range, la stratégie c'est acheter le bas, acheter la base et vendre la résistance, tout simplement. Donc là, étant donné qu'on est à 1343, on est un petit peu au milieu de nulle part, enfin proche d'une résistance, mais vous voyez qu'on n'est pas on n'est pas sous la résistance. Maintenant, si on vient tester 1350, ça peut commencer à être intéressant pour être short, parce qu'on vient mettre un stop au-dessus du précédent plus haut, enfin oui, au-dessus du précédent plus haut, donc environ 14,58 dollars, et on a un potentiel baissier de 40. Ce qui fait un ratio rendement de tête d'environ 2,7. 2,7. Donc ça peut être vraiment intéressant. Si on vient tester 1350. Brut Brent. Regardez le chandelier hebdomadaire. Vous voyez. Donc le Brent. C'est très volatile en ce moment le pétrole. Hein. Plus 8% des cours en une semaine. Donc c'est la plus forte semaine depuis juillet 2017. Vous voyez. Plus forte semaine de hausse depuis juillet 2007. Donc voilà, hein, c'est belle semaine pour les cours du pétrole. Tac, alors. Regardons un petit peu de plus près. Non, pas de. Alors, ça semble un petit peu brouillon comme cela. Hein. Je vous l'accorde. Bon, ça, on peut l'enlever. On va enlever clôture 2000. On va enlever Fibonacci. Je vais retracer les niveaux de support hebdomadaire, les obliques également. On va faire ça proprement. On va enlever ces droites de vitesse. Prix d'ouverture 2016, ça, c'est pas important. Clôture 2016, on va l'enlever. On la remettra si on a une clôture de 2017. Voilà. On va retracer ensemble les résistances pour y voir un petit peu plus clair. Donc résistance, vous voyez qu'il faut remonter aux années 2009, voire même un petit peu avant, pour avoir des niveaux de support mensuels. Donc déjà, vous voyez qu'on a des gaps, donc là c'est particulièrement important. Donc prix de clôture, hein, toujours, pas les prix d'ouverture. Enfin, le prix d'ouverture, ça peut être au niveau également des niveaux de support résistance, mais comment dire, prix de clôture, c'est le plus important. La prix de clôture, là on a une résistance, vous voyez, on a eu un pivot également, donc non pas ici, là on a eu un support qui devient résistance, je vous rappelle, hein, niveau de support résistance c'est bipolaire, hein, donc un support cassé devient une résistance et une résistance dépassée devient un support. Voilà, donc je traçais quelques niveaux de résistance. Ça sert à rien d'en tracer beaucoup plus parce que voilà, sinon on va combler le graphique. Donc on a des prochains objectifs et vous voyez que sans avoir tracé, sans avoir utilisé le plus haut de la semaine dernière, vous voyez que le cours a en fait parfaitement échoué. Enfin, le marché a pris des bénéfices sous ce prix de clôture de 2000 du gap. Hein. On l'a vu il y a un petit instant, gap mensuel en 2009. Je me souviens plus du mois, mais vous voyez que le marché a pris des bénéfices. Alors, ce qu'on peut constater, regardez, c'est un canal haussier. Canal haussier sur les cours qui vient chercher les plus bas. Globalement, les plus bas. Donc, voilà, ça peut être un niveau de support qui se paye. C'est ce que j'avais écrit dans mon analyse, de toute façon, d'un point de vue technique. Avec de son canal, les bornes montent les zones de surachat et de survente.
Donc quand on est en bas, c'est une zone de survente, quand on est en haut, c'est une zone de surachat. Et là, vous voyez que le brut, pardon, on est sur le brut, excusez-moi, pas sur le Brent, mais on a un beau canal haussier qui peut se raider, hein. Donc si on a un retour en bas du canal, ça sera une opportunité longue. Et d'un point de vue momentum, on a une oblique haussière. Vous voyez? Donc, en clair pour le pétrole, attendre un retour en bas du canal pour le payer. Que ce soit sur le brut ou le Brent. Vous voyez que, bon, je vais refaire pareil les niveaux de support-résistance. Là, je vais mettre 80 déjà. Ça psychologique. Nous mettons en mensuel. Donc vous voyez ce gap qu'on a tracé sur le brut a fait office de résistance donc la semaine dernière, alors que le Brent pardon l'a dépassé depuis maintenant 4 semaines. Allez, c'était octobre 2008, pardon, octobre 2008 ce gap. Si on se met sur le brut, c'était bien octobre 2008 qu'on a utilisé. Et vous voyez que c'est celui-là qui fait office de résistance. Donc là, du coup, c'est un niveau de support. C'est le premier niveau de support majeur, en fait. Là également ici. Vous voyez que c'était la résistance. Et donc, ce qu'on a, on a ce haut, Doji, enfin, haut de chandelier. Ensuite, on va avoir celui-ci. Et voilà, globalement, c'est les seules résistances que je constate. Je n'ai plus assez, enfin, je n'ai pas assez d'historique pour voir avant. Mais donc, voilà, à court terme. Court terme, on a une résistance 71, prochaine résistance 75, puis 78,47. Et là, c'est pareil. Vous voyez qu'on a un canal haussier, donc on va retracer ensemble. Et donc, canal haussier qui vient chercher tous les plus bas. Il me semble un peu plus clair quand même sur le brut. Vous voyez que là, on n'a que deux points de contact. On n'a pas eu le rebond le lundi 9 avril, alors que sur le brut, on a eu le lundi 9 avril le rebond. Donc, il me semble un peu plus propre le brut à court terme. D'un point de vue d'analyse technique, hein, je dis bien. Et là, vous voyez donc le canal avec le Brent qui l'a dépassé. Donc, voilà, d'un point de vue technique, vous voyez que le brut me semble un petit peu plus facile. En tout cas, qui respecte un petit peu plus l'analyse technique, oui, à court terme. Tout simplement. Mais encore une fois, c'est important de converger les signaux. C'est-à-dire que si on a un signal, pardon, haussier sur le Brent, mais qu'on ne l'a pas sur le brut, ou vice-versa, soit faut limiter son positionnement, enfin diminuer son positionnement, ou ne pas mettre un levier trop important, etc., etc. Ou soit faut tout simplement attendre que on ait une convergence des signaux. Si on a un signal haussier sur le brut et le Brent, dans ce cas-là, on est beaucoup plus confiant sur son opportunité d'achat. Voilà, donc ces deux obliques sont également des supports à surveiller. Alors, divergence baissière sur WTI. Alors, oui, il y a une divergence hein, dans le fond, regardez. On a des sommets de plus en plus haut, d'accord, alors qu'on a des sommets de plus en plus bas. En hebdomadaire, peut-être c'est un petit peu plus clair. Ouais, on a une belle divergence. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut vendre directement, hein. On n'a pas la franchissement de 50. Voilà, on n'a pas de signaux baissiers. Une divergence, ça alerte, mais c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'on passe vendeur, hein. Faut attendre que le prix baisse. Rappelez-vous, c'est le prix qu'on trade, c'est pas le RSI, hein. C'est pas le RSI que vous achetez ou que vous vendez. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas une baisse du prix, c'est compliqué de passer à la vente. C'est très risqué de passer à la vente. Donc oui, il y a une divergence. Il y en a une. Mais voilà, tant qu'on n'a pas une baisse du prix, par exemple, vous voyez que cette moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines, pardon, fait office de support. De toute façon, très fiable quand même, hein, depuis février 2018. Vous voyez qu'on a eu un rebond dessus presque toutes les semaines. Donc tant qu'on n'a pas de baisse sous cette moyenne mobile, la divergence est selon moi
pas exploitable. Voilà. Et pour moi, tendance, c'est clairement haussière. Vous voyez qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On est également au-dessus ouais, de cette oblique de long terme. Oblique haussière de long terme. Donc, hop. En fait, on est dans un momentum de plus en plus haussier. Vous voyez qu'on a déjà cette oblique haussière de fond. Ensuite, on a celle-là de plus court terme, enfin, depuis un an à peu près, qui a une pente plus haussière que celle de long terme. Et si on devait en tracer encore une autre, vous voyez, par rapport à cette, par rapport à ce point-là, c'est encore plus, on a une pente encore plus haussière. Donc en fait, on a le momentum qui, depuis un an, accélère de plus en plus. Alors, Asdin, bonjour, je souhaite savoir pourquoi ce matin le GR ne suit pas l'évolution du Dow Jones comme d'habitude. Alors, ils sont pas totalement corrélés, hein, ces indices. C'est la 1000, c'est elle journalier. Alors, 1000, qu'est-ce que vous voulez dire par 100, pas 1000? Alors, moi, immobile à 100. Alors, la rouge Bordeaux, c'est moi, immobile à 100, 100 séances, hein. Donc on a 20, 50, 100, 200. C'est les plus utilisés. Hein. 20, 50, 100, 200. Alors, excusez-moi, Asdin. Donc oui, trois supports en journalier, François. Trois supports. Vous voyez le bas du canal. Plus la moyenne mobile à 20 semaines. Donc on a la moyenne mobile à 100, la moyenne mobile à 50 jours, 100 jours, le bas du canal et la moyenne mobile à 20 semaines. Donc on a quatre supports. Donc Asdin qui nous dit je souhaiterais savoir pourquoi ce matin le GR, donc le DAX, ne suit pas l'évolution du Dow Jones comme d'habitude. Alors, ils sont pas totalement corrélés ces deux indices. Donc ça dépend aussi par exemple de l'euro. Si l'euro il est haussier, ça va faire pression sur les marchés européens. Faut savoir également que là on est sur le DAX cote, alors que le Dow il est sur le futur. Donc c'est également à savoir. Maintenant, regardez quand même, le Dow, il est en baisse, tout comme le DAX. Donc voilà, peut-être en intraday, on n'a pas une corrélation totalement positive, hein. De toute façon, hein, voilà, on n'a pas une corrélation extrêmement positive entre les deux indices. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous répondre. Pourquoi les deux indices ne se suivent pas? Alors, de toute façon, ils ne se suivent pas au pips près en intraday, hein. Et à très court terme, enfin en intraday, quand même ils ont une similarité, c'est-à-dire qu'on a eu le gap haussier, vous voyez qu'on a une baisse. Là si on regarde le Dow, je ne l'ai pas regardé en intraday, mais vous voyez, gap haussier et une baisse. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui se ressemble. Alors Ramzi qui nous demande un mot sur l'euro CHF et le 4 CHF. Alors euro CHF, 4 CHF pourraient être des bonnes paires à vendre cette semaine si. Je dis bien si on a le CHF qui rebondit comme il l'a fait encore une fois en 2015 et vous voyez lorsque le RSI de l'index était survendu et deux dernières fois où il était survendu, on va un petit peu plus zoomer, on a eu par la suite une hausse donc ouais, de 5% en l'espace de 10 séances sur le franc suisse index et ici pareil, on a eu une hausse de 4% en l'espace de d'un mois. Sur le franc suisse. Le franc suisse index qui teste le même support et qui arrive en zone de survente. Donc c'est pas parce qu'il est en zone de survente qu'il faut l'acheter. Il faut attendre un rebond des prix. Mais vous voyez que si le franc suisse rebondit de 5% en l'espace de 10 jours voire un mois, on aura l'euro CHF, le 4 CHF, mais quasiment toutes les devises majeures qui seront sous pression. Donc l'euro CHF et le 4 CHF pourraient être des paires à vendre si on a un rebond du franc suisse. Mais bon, pour le moment, on ne l'a pas. Donc, c'est compliqué de passer à l'achat. Alors, Azine, donc, qui nous dit, parce qu'en général, en intraday, ils ont, donc le DAX et le Dow, hein, ils ont une certaine corrélation, et ce matin, le GR a du mal à monter. Alors, oui, mais si vous regardez, c'est pareil que le Dow, hein, regardez le Dow Jones. Il est en baisse depuis son gap haussier de cette nuit. Le DAX, c'est pareil. Et il faut savoir que ce matin, on a une pression venant de l'euro, le pétrole qui est en baisse. Les rendements, donc le Bund qui est en baisse, ce qui veut dire que les rendements sont en hausse. Donc non, ça c'est bon, pardon. On n'a pas de pression. Ben, on a un marché obligataire quand même qui est payé, hein.
marché obligataire payé. Donc voilà, on n'a pas vraiment. On a une hausse des marchés actions, enfin, asiatiques, on a eu une légère hausse. C'était un petit peu mitigé parce qu'on a eu quelques indices qui ont quand même clôturé dans le rouge. Ce matin, on n'a pas vraiment de fort appétit pour risque. Je pense que le marché, il est plutôt attentif à ce qui va se passer cette prochaine séance au niveau des tensions géopolitiques. Donc, il n'y a pas vraiment de catalyseur ce matin qui viendrait justifier une hausse. En plus, qu'il faut garder à l'esprit que la semaine dernière, on a une hausse quand même sur tous les indices de donc 2% sur le DAX, sur le CAC un peu plus. Ah non, 1,75, pardon, alors que sur le DAX, 1,22. Mais bon, sur le DAX, vous savez qu'il y a les dividendes réinvestis. Donc, si on avait les dividendes réinvestis, ça devrait être à peu près la même chose que le CAC. L'Eurostoxx, plus 1,92. Le S&P, qui est plus large que le Dow Jones, 2%. Donc voilà, on a eu hausse des marchés actions américains la semaine dernière. Ce matin, tiré en grande partie par l'énergie, hein. Si vous regardez le secteur qui a surperformé la semaine dernière, c'est le secteur de l'énergie, grâce à la hausse des cours de pétrole. Voilà, donc c'est à surveiller encore une fois, ces cours de pétrole. Mais voilà, ce matin, on n'a pas vraiment de catalyseur. Je pense que le marché est très attentif. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une hausse, tout simplement. Je pense que les prochaines décisions au niveau géopolitique, au niveau de la Syrie, seront très importantes aux yeux du marché. Et c'est là où on aura clairement une nouvelle direction. Soit les marchés vont de nouveau être sous pression parce qu'on va avoir des tensions géopolitiques qui vont se tendre à nouveau. Donc soit on va avoir une détente, des perspectives meilleures, et dans ce cas-là, on aura une démarche action qui va être payée. Et également, bien évidemment, les futures relations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui vont être importantes ces prochaines semaines. Et au niveau des cryptos, alors il y aura un webinaire spécial crypto, comme vous savez, à 13h, comme tous les lundis, mais on a eu un rebond la semaine dernière, qu'on avait anticipé grâce, enfin, qu'on avait prévenu en tout cas, pas anticipé, ça serait un petit peu trop, comment dire, ce serait pas juste, parce que voilà, on ne peut jamais être sûr, mais en tout cas, on avait averti de potentiel rebond avec ces divergences. Mais donc voilà, on a eu l'Ethereum qui est revenu à un petit peu au-dessus de $500, le Bitcoin qui revient au-dessus des 8000. On arrive vers des niveaux de résistance quand même, donc je pense que le potentiel baissier est plus important. Vous voyez, regardez le Bitcoin sous résistance, l'Ethereum sous résistance, le Bitcoin Cash bon, qui casse cette oblique, donc ça pourrait être un signal haussier, mais encore une fois, quand même les cryptos sont quand même assez corrélés. Enfin, les plus grosses cryptos en termes de capitalisation boursière sont quand même pas mal corrélées. Donc c'est pas parce qu'on a un signal isolé que ça va être un signal sur tout le marché. Si par contre demain on a une cassure des résistances sur Ethereum et Bitcoin, dans ce cas-là, oui, ce sera des signaux qui vont converger dans la même direction et qui donneront, pardon, excusez-moi, qui donneront une opportunité, ou en tout cas une conviction haussière. Mais si on a que le Bitcoin Cash qui émet un signal haussier, c'est compliqué de se dire bon, les cryptos vont rebondir, vous voyez. Donc voilà, pour moi ils sont encore sous résistance. Donc je pense que le potentiel il est plutôt baissier à court terme. Donc on va voir ça plus en détail au webinaire dédié aux crypto-monnaies à 13h heure française, présenté par moi-même, et que je vous invite à me rejoindre. Voilà, donc ça sera tout pour ce plan de marché. Je vous remercie pour votre attention. On a fait un bon tour ce matin. À tout à l'heure pour ceux qui me rejoindront au webinaire spécial crypto-monnaie. Et sinon, eh bien, écoutez, demain matin pour ma prochaine quotidienne. Excellente journée à vous et à demain pour ceux que je ne retrouverai pas.